Je suis David Régnier-Garnello, je suis l'un des fondateurs et coordinateurs de l'association Les Boîtes Vertes. On travaille autour de la prévention des déchets, on fait de l'accompagnement avec les défis Famille Zéro Déchet, on travaille aussi autour du lombricompostage, avec notamment l'animation du site Plus de Verre, mais également des animations, des formations, des ateliers pour fabriquer soi-même un lombricomposteur par exemple. Lorsqu'on met ces déchets dans un lombricomposteur, on permet d'économiser au moins une trentaine de kilos par personne et par an de déchets qui ne vont pas à la poubelle. Donc c'est autant de déchets qui ne seront pas collectés par des camions et qui ne seront pas incinérés ou enfouis derrière. Ce qui est innovant dans le site Plus de Verre, c'est qu'en fait c'est un réseau mondial de donateurs de verre, chose qui ne se fait nulle part ailleurs. Et ça permet de mettre en contact des utilisateurs de lombricomposteurs, des gens qui veulent se lancer, qui veulent démarrer un lombricomposteur, avec des personnes qui maîtrisent déjà le système, donc qui, eux, pourront donner les verres issus de leur lombricomposteur. Donc en allant sur le site de Plus de Verre, on peut trouver un donateur près de chez soi, on consulte la carte, on zoome pour être au plus près de son domicile et on contacte simplement un donateur en remplissant un formulaire, ça envoie un email et après le donateur vous répond directement par mail et les deux personnes se rencontrent. La plupart du temps, les personnes restent aussi en contact pour s'assurer que les verres vont bien, etc. Aujourd'hui, Plus de Verre est utilisé surtout dans les pays francophones, donc en France, Belgique, Suisse, mais aussi au Québec. Il y a des donateurs en Allemagne, en Australie, et le site ne demande qu'à s'internationaliser finalement. L'étape suivante pour l'année prochaine, ça va être de traduire en différentes langues le site pour qu'il soit accessible dans le monde entier et utilisé dans le monde entier.